Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se lancer tous ensemble à l'aventure dans Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Alors, c'est pour moi, c'est un honneur de vous présenter ce jeu parce que j'ai joué à tous les Storms qui existent depuis son commencement et là, on arrive à l'apogée des Naruto Shippuden. Je pense que c'est le dernier, voilà, on va pas se cacher, on est à la fin d'une belle aventure. Donc il va falloir remercier tout le staff de Masashi Kishimoto qui nous a offert de l'aventure vraiment merveilleuse. Des aventures merveilleuses, je voulais dire. Donc on va commencer tout de suite, on va partir dans le mode histoire, hein, voilà. Alors, j'espère que vous aimerez découvrir ce jeu. C'est la première fois que je le lance, là. Donc, on va regarder, hein, temps de jeu estimé, ok, bon. Ok. Donc, allez, c'est parti. Donc, histoire et illustration originale. Masashi Kishimoto. Faut pas écorcher son nom, le pauvre. Pauvre, personne ne parlait. Alors, graphisme très sympa, très très joli. Vous voyez ce rouleau sans nom. L'histoire qui rapporte n'a pas encore de conclusion. Eh ben, on espère bien. Donc, ton antique parchemin. Donc là, je l'ai ouvert. On va l'ouvrir. Est-ce que vous souhaitez en savoir plus? Bah, bien sûr, on veut en savoir plus. Ouh. On peut voir Madara. Cette histoire est celle des ninjas. Je pense être. Ça va être très très sympa. Le graphisme est quand même très sympa, on est encore sur le jeu quoi, c'est vraiment hallucinant. Ils ont pu reproduire vraiment les mêmes styles et les mêmes palettes graphiques. Et c'est pour ça que j'adore ces jeux. On suit vraiment l'histoire. On suit vraiment l'histoire et c'est magnifique. Alors attaque gars.続く連鎖が。忍びとなり、一族となり、里となった糸まです。戦乱は絶えることなく、なおも高ぶり。そして憎しみは広がる。かくてかの二人も。 Et pourtant, eux deux, ils étaient amis. Ils étaient amis dans leur jeunesse. C'est dommage que deux finissent comme ça. Kyubi. Oula. Avant que je m'endorme. Pas prêt. J'étais pas vraiment prêt, mais c'est pas grave. On va rester aux aguets quand même. Ok, gagner le plus de besoin pour réussir une action. Ok.
Alors que je me rappelle un petit peu des touches. Il m'a fait mal le salaud hein. Susano, oula. Oui, mais bien sûr. Oula, Kyubi se libère. Kyubi se libère. Il va falloir faire attention. Oh. Petit malin, petit malin. Mais qu'est-ce qu'il lui fait ce... Ok. Ouh. Il m'a fait mal. Allez, 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 c'est parti. C'était bon ça. On rentre là, on va rentrer dans le vif du sujet. Kyubi, oulala, oulala, il va lui mettre la misère, Kyubi. Allez, 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 allez. Je sens qu'il va falloir palper vite. Non, c'est... Dommage, dommage, j'aurais préféré avoir un peu plus de... Ouais. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien, Madara. Ah, salaud. On va rentrer dans le cœur du sujet, là. On va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Ah, dommage, 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 dommage. On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire beaucoup mieux, on aurait pu faire beaucoup mieux. Ouais. Oui. Ah,
On va essayer de le massacrer parce que là. Il a pas trop aimé. Il n'a pas trop aimé la QB là. Ouais, on m'étonne. C'est un combat vraiment de titan, de... C'est hallucinant. Il a pas aimé. Il va. Ouh là là, il a failli nous faire mal quand même. Il a failli vraiment nous faire mal. Il va pas aimer. Il va pas aimer. Et moi non plus, je vais pas aimer. Encore? Non? C'est bon? La pression, moi je vous dis, c'est vraiment une pression énorme. Bon. On a bien mené notre barque, comme on dit, hein. Ah. C'est reparti. Bon. Là, on met du level. Faut le dire. Je suis en train d'appuyer comme un malade. Vous pouvez pas savoir, j'aime le tuer le pouce là. Je viens de foirer. Mais je le laisse foirer parce que c'est tellement beau ce qu'on vient de voir que. C'était
pour moi, c'est magnifique. Voilà, j'ai pas d'autre mot. J'aurais pas voulu quand même réussir, je sais pas, lui mettre à l'amende, comme on dit. Lui mettre à l'amende. On va poursuivre. Oui, je n'ai rien changé là. On continue quoi. Voilà, on continue. そして導き出される新たな道とは辞書総決の章この世界は終わらせる De toute façon, je pense qu'on va pas se cacher, on va toutes les faire. On va toutes les faire, donc on va commencer par Naruto, hein. Donc on va commencer tranquillement. J'aurais cru que c'était un peu comme dans les autres où on aurait quand même un peu une map ouverte, mais je vois qu'on est plus sur du combat pur. Redoutable. Ce démon renard est vraiment redoutable, mais très gentil, mais très très gentil, hein. Faut le savoir quand même, faut le savoir. Faut le savoir que voilà, c'est. D'ailleurs, une telle méchanceté se cache souvent, très souvent, des. Une passion cachée pour certaines choses. Ils sont vraiment fidèles au manga. Ils sont vraiment fidèles. Et ça que j'aime bien aussi vraiment dans les stores, c'est cette fidélité qui est absolue. On n'essaye pas trop de s'écarter du chemin. Ils sont vraiment fidèles et ça j'aime. Moi j'aime beaucoup moi. Ce Madara caché, ce faux Madara. C'était surprenant de le savoir qui c'était réellement.
La persévérance, voilà ce que nous montre Naruto, cette persévérance absolue. Et il faut l'avoir, il faut quand même garder, malgré derrière ce côté manga enfantin, Naruto est quand même assez, voilà, assez démonstratif sur le fait de que la persévérance gagne toujours. J'avais oublié quelle était la faculté de Toby. Hein. Hey! Yes. Cool. Ouh, ouais, c'est bon. Ça y est, lui aussi nous en veut. On va quand même le finir par une attaque ultime. Hein. Je vais pas vous cacher, hein. C'est finir par l'ultique ultime de chaque personnage. Toujours. On va essayer. Hein. Et voilà. Naruto Uzumaki. Et c'est tout. Ok, bah je pensais que qu'on va finir sur cette petite interlude de fin, je pense. L'autorité divine. Le masque vient de tomber. On va savoir enfin qui c'est. Alors je trouve ça dommage d'avoir tiré vraiment les images du jeu. Ils auraient pu quand même faire voilà quelques scènes. Donc Obito, et oui, c'était Obito derrière le masque. Alors c'était Obito qui était derrière le masque. Alors rappelle qu'Obito c'était le très jeune ami de Kakashi. C'était son meilleur ami. C'était son meilleur ami. Donc voilà. Bon, fin du premier épisode, tout le monde. Moi j'aime quand même, malgré les petits changements qu'ils ont appliqués. Moi j'aime, donc je vais continuer à jouer. Et j'espère que ça vous plaira, parce qu'on va partir sur une petite aventure donc de Naruto. Avec les épisodes. Je pense que les épisodes vont durer à peu près une vingtaine de minutes. Donc voilà, on peut se retrouver. On se retrouvera, vous inquiétez pas. Je serai là, je serai toujours présent. Je suis toujours là. Donc voilà, je vous souhaite bonne fin de journée.
Et bye bye tout le monde. Bye.